Tout saluer va sans tenir sur la combonne et tu que te kimia na kolo et su et à la couleur une sante mon grand moko ou à colanda biso en zela audio que le Seigneur vous soit favorable par la grâce de Dieu. Tout comme la sixième parabole, il est l'autre aussi ma parabole colo à trésor caché dans les champs. Yango tokolobela nangolu ya nzambe. Tout le monde est l'Isséna, tout le monde, merci pour ce temps. Tout le monde est là, tout le monde est béni sur l'enseignement, dans la compréhension à ton peuple, plan projet Mouli, que l'enseignement te déclare en ligne sans effet au nom de Jésus. Grâce, victoire, on a accompagné, bisous, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Matthieu, chapitre 13, verset 44. Matthieu, chapitre 13, verset 44. Bible Zolobaboué. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Voilà. Olo apambola makomi. Par la grâce de Dieu, tokoyeba na kosimba oyo ezali parabole oyo na ba manière mibale. Tokosimba na ba manière mibale. Premier aspect, tozo simba nanu moto yo azo découvrir trésor lokola Christ. Tozo simba na moto découvrir trésor lokola Christ. Awa to expliquer elanga na ba manière mibale. To expliquer elanga na ba manière mibale. Elanga explique ka monde, elanga esika explique ka pe nzoto ya mutu. To zo zongo na ba aspect mibale. To lobi le champ explique le monde, le champ explique aussi l'homme. Voilà. Quand nous expliquons les champs comme le monde, on a trouvé ce trésor, on a le rôle abyss au peuple et Nzambe, ou tous ala qui n'a qu'à Tchamokili. Quand nous expliquons les champs comme Bissot, on a toujours expliqué le trésor comme nos âmes. Voilà. Ou Eza, Nakatia Nzoto, Eza et Langa. Maintenant, tozo loba ke mutu yango okende koteka nyonso azalaki na yango po azwa trésor wana etalisaka le Seigneur esengelaka se dépouiller akoma mutu aza forme humaine afin de venir nous racheter. Mais oremarke ke tango amoni yango akobomba yango nanu kobomba wana. Nous voyons un peu par rapport à Galates chapitre 4, 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous recevions la rédemption. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, tant que Amoniango, Abombiango, Kubombawana, et autres, comment le Seigneur nous avait gardés sous la loi, par la loi, enfin, Aya pour rejeter, afin que Aya pour racheter Bissot. Donc, l'homme, Oazos, trésor, Oyo, Azako, c'est Amoni, trésor, Tchako, c'est dépouillé par Somba, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, au Sengelaki, a se dépouillé, a zwa la forme humaine, afin que aya ko racheter. Parce que Nzambe, na forme na spirituelle pe, a koukaki ko racheter, Dieu comme esprit ne pouvait pas racheter. Tant que vous êtes dépouillé, vous êtes comme cela veut dire que vous êtes bon. Bon, vous êtes le sang. Bon, vous êtes le sang.
voyez, bon oiseau, c'est le sang, pour Nanzela et Makila, et ben on racheté. Donc, on dit que Dieu a mon acquis, mais comme esprit, à quoi qu'il a racheté. Il fallait qu'il a vendre Nyonso. Qu'on vendre Nyonso, c'est ça Dieu qui se dépouille. Tant qu'on s'est dépouillé, on a dit qu'on a dit tant qu'on s'est dépouillé, on a dit que mon temps, tant qu'on a dit qu'on a et ça pose un bongo à cause de Kusungae à Sombe Langa. Tandis que le Seigneur, tant qu'on s'est dépouillé, à la forme, à la qui n'a pas de pièce de forme à Moutou, et à la qui peut pas un bongo à cause de Wana pour acheter, c'est ça le sang. C'est le sang qu'il va verser à la croix de Golgotha pour nous racheter. Maintenant, tous les ombres, mon corps. Tozui ombre moko toza na mukanda ya jeunesse. En tout cas, je m'excuse. L'état qui tout le kayango bolimbisa, pardon, l'état qui tout le écriture wana. Mais naibi kizana jeunesse. Genèse chapitre 25. Voilà. Genèse chapitre 25. Ok. Genèse 25. Tobanina verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü rêvait des champs accablés de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi mes soeurs ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, gire-le-moi. D'abord, il le gira, et il le gira, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et bit, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits des nes. Donc, mon Ésaü, tu vas ici écrire mon corps pour te expliquer ce que je veux dire. Tu vas ici écrire mon corps pour expliquer. Tu vas Genèse, toujours Genèse, verset, chapitre 27, verset 9. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaü azalaki nan. Ésaü azalaki le premier né. Bozunyoso. Ésaü yaye ya papa pour une azalaki premier né. Trois aînés azalaki yaye. Mais vous remarquez, Akoya et pas Jacob, Akokuta. Potage. Akokuta lipa. Akosepela na yango. Ao sepela na yango akolinga a perdre nyonso oyo azalaki na yango me néanmoins a gagné nini potage wana akosepela a perdre nyonso oyo azalaki na yango enfin akosepela a perdre nyonso oyo azalaki na yango enfin ke ayeba na kogagne potage wana or touti kotalisa tango Isaac a pambola Jacob. Isaac a dit sur l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc c'est pour dire que Jacob aussi était un champ. Alors là qui est langa. On a quatre tomoni potage. Potage venait comme un trésor. On a mis sur la première. Et on trouve que l'angéza n'a pas expliqué mi balé. Et l'angéza expliqué comme le monde. Trésor des abissos. Tu peux expliquer que le trésor et l'anglais peut expliquer le roi Banzo, ton abisso, trésor, les âmes, l'abisso. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce que tu veux dire, c'est que premier né, selon Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 15, on a besoin de dire que Christ est le premier né. Alors, Christ est le premier né. C'est pour dire que nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé. Donc, les véritables Ésaü, ils sont en Christ.
Esaou est un homme, mais le véritable Esaou est le nom de Christ. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Mais Esaou est un à perdre. Ils ont le droit de naître na epo aiba na kugani kuzwa nini potage wa atoro na total saka koma le seigneur devait accepter de sacrifier au yazala ki na yango pour venir nous gagner tozundi bagabondo il devait se sacrifier pour venir ou gagner biso tozungo na nous na aspect wana voilà. Toujours, Esaou a perdre comme le Seigneur, parce que je m'appelle le droit de naître naï. Hein? Toujours comme le premier né aujourd'hui à cause de lui. Le Seigneur, toujours, il m'a causé sacrifier pour nous racheter à Zoa, Bouzou, au Bissotosali. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est le premier aspect. L'aspect ami balé, tout le monde a pris le simba trésor, c'est le Christ, c'est la vie éternelle. Toujours, les chants comme les Écritures. Toujours l'homme comme un bisso, un croyant. C'est pour dire que les lots, ceux qui nous ont besoin, pour ton dire, les champs, les bombes de trésor, ils ont ma commis. Les champs, les bombes de trésor, ils ont ma commis. C'est pour dire que les lots, nous avons posé les véritables trésors, ils ont caché ma commis. Les écritures cachent les véritables trésors, où ils ont gagné. Maintenant, pour nous, nous avons un trésor de Zanzambe, de Christ. Et nous avons un trésor de Zanzambe, de Christ. Nous avons un trésor de Zanzambe, de Christ. Nous avons un trésor de Zanzambe, de Christ. Nous avons un trésor de Zanzambe, de Matthieu chapitre 19, verset 21. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Voilà, c'est pour dire que ce jeune homme, hein, voilà, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il? Donc le jeune homme, c'est là qui est riche. Ici, la richesse, c'est le péché. Le vieil homme, c'est pour dire que l'ami Swanzambe, un pêcheur, c'est un riche. C'est un riche. Mais pour posséder le trésor véritable qui est Christ, hein, pour posséder le trésor véritable qui est Christ, là, maintenant, il faut qu'on se dépouille d'un vieux homme dans les péchés. C'est alors que vous possédez Christ. Tout le monde dit que le trésor, c'est Christ, les champs, et ça, les écritures. Donc, occuper le trésor, c'est toujours Christ. Le champ, c'est Jésus. Ce corps-là qu'on appelle Jésus, c'était tout un champ. Au moment du trésor, n'a pas nango le Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pour nous posséder en haut, il faut que nous se dépouiller dans vieux homme, dans péché. C'est alors que nous bénéficier du trésor, le trésor, nous sommes assis à ma. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout ce qui est ici. Où est la sixième parabole? Toujours qu'il y a un malembe, malembe. Bobon de la paix pour la vie. Si le Seigneur nous fait grâce prochainement, tu aussi ma septième parabole. Du coup, la parabole, il y a perle. Toujours qu'il y a un malembe, malembe qui nous aussi sa parabole. Nous allons prier pour nous, afin que Dieu nous garde, nous protège. Voilà. S'il y a des questions, nous allons aussi aller plus 243, 99, 88, 77, 333, plus 243. S'il vous plaît, plus 243 84 22 64 114, plus 243 99 88 77 333, paix en Christ de Koutani, prochainement, toujours dans Katia, enseignement, nous ceci les paraboles.